bien bonjour à tous les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien. Écouter moi ça va être nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve une fois de plus pour du Subnautica et lumière, oui de la lumière, parce que les amis, comme vous le savez, on se retrouve pour du Subnautica, mais pour un épisode très important, car les amis, aujourd'hui nous allons tout simplement continuer d'explorer la fameuse base extraterrestre. Donc les amis, avant toute chose, je voulais vous remercier grandement pour tous vos retours, que ce soit sur cet épisode là ou également les autres, toutes les autres séries sur la chaîne. Merci beaucoup les amis d'être présents, c'est un truc de malade. Franchement, on vit une aventure complètement épique. Merci pour les pouces bleus, les commentaires, enfin c'est génial. Merci beaucoup les amis. Donc, il faut savoir que, alors, je ne vais pas vous spoil, je vous le dis tout de suite, je vous conseille, au cas où vous n'avez pas vu, d'aller voir la vidéo précédente de Subnautica. Sinon, vous n'allez absolument rien comprendre. Voilà, ou alors ça va être du gros spoil. Parce qu'aujourd'hui, les amis, j'ai une immense nouvelle. Il faut savoir que, d'abord, avant toute chose quand même, que je vous explique, que les amis, à l'heure actuelle, au moment même où je tourne, et d'ailleurs, il est précisément, 18h24min30s. Quand je parle de moment, bien sûr, je parle que les amis, je tourne cet épisode vraiment quelques heures après, effectivement, la sortie de l'épisode précédent, parce que je voulais voir vos retours au plus vite. J'ai campé, tu vois, devant la vidéo. J'ai actualisé comme un gros malade, j'en ai même pété la souris. Non, je plaisante, tu vois. Mais voilà, les amis, j'ai vu vos retours et tout, c'est un truc de fou. Vous aussi, vous avez des théories. Alors, franchement, il y a plein de théories. Voilà, en même temps, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais en tout cas, l'immense nouvelle, les amis, c'est ça. Vous reconnaissez? Vous vous souvenez? On ne l'avait pas la fois dernière. Et ben voilà, j'ai donc trouvé le dernier fragment pour la fourreuse, effectivement, du prawn. Alors bien sûr, je l'ai pas fait là il y a quelques minutes, hein. Je l'ai fait entre le dernier tournage de l'épisode et celui-là, hein, vous en doutez bien. Voilà, parce que ça m'a pris un peu de temps, j'ai dû fouiller je ne sais combien de ruines. Et d'ailleurs, j'ai même refouillé des ruines, hein, au cas où j'étais devenu cinglé, tu vois, que je me suis dit, attends, c'est pas possible, hein, j'ai dû passer à côté, tu vois. Et j'ai trouvé le dernier fragment. J'ai bien sûr fait tout ce que je vous avais dit que j'allais faire aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, regardez, je me retrouve avec ça dans l'inventaire. Non, pas les espèces de KitKat, là, non, non. Voilà, ça. Donc, la tablette, les amis, nous avons, voilà, la tablette bleue dans l'inventaire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à cette porte. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il y a un boss, il y a un Léviathan qui est présent derrière, tu vois, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être des extraterrestres. Moi, je pense qu'il y a peut-être, effectivement, des extraterrestres. Ou alors, l'Empereur, je ne sais pas. On y va, les amis. C'est parti. Ouverture de la porte. On y va avec le plan de suite? Ouais, on y va quand même. J'ai... Oh my god. C'est quoi cette zone? Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Quoi? Evacuate immediately. Quoi? Faut évacuer immédiatement? Attends. J'ai pas compris. Attends, il parle de vaccination? Il parle des... L'éclosion des œufs? Attends, déjà, ça, on va le récupérer. En fait, j'en avais encore, hein, des cubes de ion dans mon inventaire. Voilà, nickel. Ah, oh, c'est génial. Alors, j'ai jamais fait là-dessus. Mais attends, on peut en avoir combien? Mais attends, on peut en avoir combien, des cubes? Bon, je récupérerai le reste plus tard. Oh, c'est énorme, il y en a la masse. Oh, non, 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 il va pas le bloquer. Oh, j'ai peur. Bon, on prend le dernier. Ok, on va prendre le dernier, hein, pendant qu'on y est. Au cas où, on a besoin, je ne sais pas, pour les téléporteurs. Oh, les amis, on est en train de vivre un moment tellement intense. C'est un truc de fou. On va peut-être connaître, je ne sais pas, nos origines, je ne sais rien. C'est quoi ce bruit? Wow! Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait pas que je touche à ça, il y a tout qui a pété, non? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Attends, attends, je vais m'écarter quand même, on sait jamais. Fallait pas que je touche à ça, c'est ça? What? Bon, on continue, hein. On verra ça plus tard, hein. On est d'accord. Ouais, on va laisser son rayon, on va laisser le rayon tranquille, hein. Nous, on se barre, hein. Allez, salut, à plus. J'ai rien touché, hein, je vous jure. Faudra peut-être le reposer après en partant, tu vois. Ok. Alors, attendez, ça parlait de l'Empereur. On va pas plonger là-dedans quand même. On sait pas ce qu'il y a au fond de l'eau. Oh! Oh d'accord, ok, ça capte que je suis dans l'eau. Oh, j'ai eu peur! Je me suis mis un coup de pression moi-même! Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bassin?
C'est quoi ce truc? Attends, on va passer par là quand même parce que... En douceur. Je vois rien. J'ai pas envie de plonger. Mais bon, on a pas le choix. Y'a qu'ici. On y va. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Êtes-vous venu pour jouer? D'autres sont venus, mais jouer seul. Ils m'ennuient. Oh! Maintenant, ils sont partis. À la place, je vous ai... Je suis un ami! Oh. Wow. Magnifique! On dirait un aquarium gigantesque. Regardez, il y a plein de créatures. Regardez. Il n'y a pas le Léviathan au moins. Détection de modèles comportementaux exceptionnels passifs chez les prédateurs voisins. Raison inconnue. Oh, ils sont gentils. Mais ouais, normalement ils sont... Normalement c'est des prédateurs ça. Oui, je viens jouer, oui. Wouah, mais non, c'est trop cool. C'était donc elle qui m'appelait, c'était bien ça. Oh, il y a des œufs. Les œufs d'empereur. Oh, je peux... Je les vole pas, je vous le promets, hein. Quoique, j'en borderais bien, quand même. Oh, c'est exceptionnel. Est-ce que je peux aller dedans? Oui. Les analyses environnementales indiquent que l'eau environnante est riche d'une forme de vie rare, semblable au plancton, et qui dépend des débris organiques produits par l'écosystème. Ah, je... Regardez les œufs, oui. Vous inquiétez pas, je fais rien de... œuf de Léviathan Empereur. Voilà, c'est l'Empereur Léviathan, effectivement, oui, c'est ça. On va l'appeler l'Empereur, ça fait stylé. L'Empereur Léviathan. C'est bien l'Empereur Léviathan qui est présent dans la base. C'était ça, les amis. Je me mets à genoux devant vous. Je vais scanner le dispositif. Mais il est trop cool, il est sympa. Elle est sympa, c'est trop cool. Mais c'est impressionnant, regardez ce qu'il regarde, quoi. Mais c'est magique. Je les regarde, donc ce sont vos œufs, c'est ça? D'accord, très bien, je touche pas. Par contre, si est-ce que je peux vous scanner? N'ayez pas peur, hein. Oh, je regarde le scan, enfin la scan. Peut-être moyen. Mais c'est trop l'endroit idéal pour les scanner, eux. Regardez, du coup, ils sont pacifiques. What? On nage avec l'empereur. C'est énorme. Et puis on nage avec les prédateurs aussi, quoi. Mais c'est juste génial. Regardez, on les a jamais vus aussi près. Ok, other alien, il y a d'autres trucs aliens apparemment. Ouais, ça roule, je vais me mettre là, d'accord. Elle va revenir ou pas? Je m'approche des œufs, tu sais. Elle me regarde, ouais, elle me regarde. Je les touche pas. J'ai peur en fait, j'ai peur de ce qui va se passer. Ouais, elle va se poser. Ah oui, 30 secondes, oui. Attendez, je retourne dans mon... Oh, c'est tellement stylé! Oh là là! Oh, les gens ont vu un moment magique! Regardez ça, quoi. Bonjour! Bon, allez, on pose le cube. On meurt, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est parti. Ah, on n'a pas vu l'animation du cube. Mes jeunes veulent éclore. Jouer hors de cet endroit. Nous sommes restés ici trop longtemps. Je vais les libérer si vous voulez. Hein. Si vous êtes cool avec moi, vous m'aiderez peut-être à construire une base. Les autres ont pu écrire un passage vers l'extérieur. Je leur ai demandé, mais ils ne pouvaient l'entendre. Oh, oui, un téléporteur. Si vous pouvez entendre, vous pouvez aider. Si vous pouvez aider, je vous dirai ce que les autres m'auraient envie de savoir. Oh. Ah, j'ai failli l'attraper. Y a pas de souci, y a pas de problème. On va être copains. L'incubateur. Insérer les enzymes d'éclosion. Oh, les enzymes. Pas de problème. On va voir ça. Attendez, on va aller voir là-haut. Elle est en train de m'en montrer un truc.
On va quand même pas la contrarier, hein, ça serait dommage. Vu la bête. Alors comme ça, vous avez un téléporteur, mais il est pas actif, hein. Ah, c'est quoi ce bruit? Il se passe quoi? Oh! Oh! Elle vient de souffler sur le sable! Elle a déterré le téléporteur pour nous! Merci! Vous voulez que je m'occupe de ça? Je m'en occupe. Attends, j'ai vu un truc genre scan. Aquarium Arch. Ouais, c'est ça, c'est un aquarium quoi! Les talents balèzes, c'est incroyable. Allez, on met le cube. Heureusement qu'on a, pas, on a pris plein de cubes ioniques. Vous m'avez donné ce que je demandais. Je vous donne ce que vous cherchez. Nul ne peut forcer mes jeunes à sortir de leur coquille. Ils doivent être amadoués. Ce que les autres n'ont pas pu voir. Oh. Je vous donne ce secret honnêtement. J'espère ne pas être déçu une nouvelle fois. Enzyme d'éclosion. Oh. Oh. Elle m'a fait peur. C'est génial. Attends, non, je veux pas toucher à ça. Mais c'est trop bien. On a une amie qui est extraordinaire, hein, pour le coup. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les enzymes, du coup? Insérer les enzymes d'éclosion. C'est génial. Elle vient nous voir, du coup. Alors, du coup, on a un nouveau schéma. Enzyme d'éclosion. Oh, enzyme mystérieuse. Graines d'herbe fantôme, échantillon de pompons. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, c'est le... d'accord. Graines de scrutine, graines de couronne de mer, échantillon fongique. Oh! Alors, on va peut-être, du coup... Je crois que, voilà, l'objectif, c'est ça. À mon avis, c'est peut-être un vaccin, non? Enzyme d'éclosion, parce que... Mais, vous croyez que... Je sais pas. Parce que j'ai vu que ça marquait tout à l'heure en anglais qu'il y avait une histoire de vaccin. Peut-être qu'elle l'a, peut-être qu'elle peut nous le donner. Mais en tout cas, c'est trop cool d'être ici. Je vais construire une base là. Bon! Ciao, hein! Hasta la vista, je reviendrai, ok? Tu bouges pas, hein! Je m'occupe de... Ah mais attends, ça se trouve les trucs, ils étaient là? Ça se trouve les plantes, elles étaient ici! En fait, les aliens, à mon avis, ils l'entendaient pas, vu que bah, c'était une autre forme de vie, ça se trouve, ils étaient pas sensibles à la télékinésie de l'empereur, Léviathan. Oh là là! Et on est où, là, du coup? Oh! Très très bien! D'accord! Mais c'est génial! Allez, on y retourne. Oh, c'est génial! On va pouvoir venir la voir et tout! Mais elle, elle est coincée ici, du coup. C'est ça, c'est une prison. C'est une prison, en fait. Ça va, je suis revenu! Non, j'ai pas tout, désolé. Y'a pas... T'as pas les trucs ici? Parce que, attends, un aquarium, y a des plantes, quand même. Je veux dire, enfin, tu vois, si tu veux... Oula, ça, c'est un bruit méchant, normalement. Tu vas quand même pas essayer de me trahir, j'espère. Mais je sais pas s'ils ont ce qu'il faut, ici. Je crois pas, hein. Parce que ces trucs là c'est des plantes, ouais, que j'ai déjà vu et revu, j'en ai déjà pas mal d'ailleurs. Non, malheureusement ils ont pas gardé le... Oh, elle est tellement cool, elle va camper là je pense maintenant. Je peux m'accrocher? J'ai jamais fait du rodéo avec. C'est énorme, t'imagines, on aurait croisé un Léviathan mais genre gentil. Ouh. Impressionnant, vraiment très impressionnant. Bon. Ouais je vais rentrer. C'est génial, on a trouvé le moyen. Les amis, alors maintenant il va falloir short le Cyclope d'ici parce qu'on aura plus la raison d'aller au Lava Castle. Plus la raison. Et l'aquarium, enfin, c'est plus une prison pour le coup. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est un truc de ouf. Là, elle pourra jamais sortir, quoi. Elle est beaucoup trop grande. Beaucoup, beaucoup trop grande. Bon, allez, on se casse. Je vais revoir une dernière fois. Attends, c'est quoi le chemin? Graine d'herbe fantôme. Bon, normalement, mon Teddy, s'il est pas loin. Mais le problème, c'est que pour rentrer avec le. Avec l'exosquelette, ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'exosquelette ici. Moi, dans tous les cas, j'ai mon Tedix qui est là. Qui est là-haut, donc regardez, juste là. Donc, mais c'est énorme, j'avais jamais vu ce téléporteur-là. Vous l'avez déjà vu? Moi, je l'avais jamais vu, franchement. J'ai jamais fait gaffe. Ah, bien sûr, je vais pas réussir à grimper. Mais non, mais je suis choqué, hein. Je suis choqué de ce qu'on vient de voir. Hein. Je suis complètement choqué. Bon, alors, on va voir déjà si on a des trucs. Bon, ça voudra dire refarming, hein. Incroyable. Ils avaient un téléporteur ici, genre qui menait direct au... à l'empereur, quoi. Pourquoi je peux pas monter plus? C'est quoi ce bug? Voilà, c'est bon, merci. Voilà, on monte. Voilà, on va le laisser là. Il craint rien. Bon, il y a quand même un Léviathan qui traîne pas loin d'ici. On va pas traîner. Genre, il aime bien se balader là en bas. Donc, bon, nickel.
Les amis, c'est énorme. C'est génial, je suis trop content, franchement. Il nous reste du taf hein, quand même du coup hein. Là, c'est... enfin, on a du nouveau taf hein. Bah c'est bien. Moi je suis content, bah écoutez, bah les amis, non, on va pas s'arrêter là bien sûr pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la base, je vous dis tout de suite, oh non pas lui. Les amis, il y a un truc que je comprends pas, regardez. Les prédateurs là, ils nagent avec moi. Mais attends, ça veut dire... ah non, ah, je... ouais, non, ils sont pas passifs, non, en fait, je rigole, non, ok, je me suis trompé, fausse alerte. Mais non, mais là, le mec, il croyait genre, allez, tout le monde m'aime, voilà, c'est bon, je vais même nager avec le Léviathan et tout, tu sais, il va vivre à côté de chez moi, tu vois, non, ok, non, autant pour moi, j'ai vraiment cru à qu'il se passait un truc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais peut-être leur montrer quand même, parce que là, c'est quand même assez violent, ok, donc, bah, les amis, dans tous les cas, on arrive, du coup, à la base, et regardez, je vais vous montrer comme quoi... c'est quand même un truc de fou. C'est... regardez, j'ai les pompons et tout. Ouais, non, franchement, j'ai bien fait de faire ça quand même dans l'aquarium. Parce que du coup, vous savez que ça se trouve, j'ai déjà pas mal de petites choses. Et au niveau du farming, ça sera vraiment top. Alors, regardez, quand même, le truc ridicule. Voilà. Regarde, tu vois ça? Module de profondeur de 6 mètres. Bon, après, tu me diras, oui, effectivement, c'est marqué que 6 mètres, c'est pas marqué prone. Mais bon, hein, l'autre, je vous rappelle que c'est la même chose. Hein, mais sauf que c'est pour les deux, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, on a un module de profondeur de Thimov qui est là. Voilà. Donc, il lui fonctionne. Parce que quand je l'enlève, je passe à 200 mètres. Et quand je le mets, je passe à 1000 mètres de profondeur. Voilà. Donc, c'est la preuve que bon, ils ont ajouté une nouvelle amélioration alors qu'ils auraient pu effectivement garder l'autre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On va pas leur en vouloir. Ok, les amis. Donc, j'ai fouillé tous mes coffres. Hein, y compris donc ceux que j'ai là-haut. Parce que bon, j'ai pas. Enfin, j'ai pas de coffre là-haut. Mais j'ai les sacs à dos. Et du coup, j'ai mis aussi les trucs dedans. Et figurez-vous que j'ai quand même pas mal de petites choses. Ma foi, assez intéressantes qui sont bien sûr pour le craft hein, que l'empereur nous a donné. Regardez ce craft là, voilà. Non, pas ça, pas les, non, pas les poissons. Voilà ça, l'enzyme d'éclosion, voilà. Et du coup, donc, alors je crois que j'ai. Alors j'ai les échantillons de pompons, j'ai l'échantillon fongique, donc les deux à droite. Et je crois que j'ai des graines de scrutine. Bon, en tout cas, j'ai la plante. Il me restera plus que les graines de couronne de mer, voilà. Mais bon, ça, tout ça, bien sûr, je le ferai en orcamara. Et oui, tiens! Pendant que j'y suis, regardez ce que j'ai retrouvé dans la vente. Alors oui, ça j'avoue, ça fait plusieurs épisodes que vous m'en avez parlé, effectivement, le réservoir à très haute capacité, hein, Furious, comme tu connais, avant, bon, il suffisait de le laisser dans l'inventaire, et effectivement, on a bien vu que ça marchait plus, et ben en fait, c'est parce qu'il faut l'enlever, voilà, et il faut le mettre là. Voilà, regardez, comme voilà, comme ça. Donc maintenant, effectivement, merci les amis, je peux avoir plus de 225 d'oxygène, voilà. Regardez, si j'enlève, ah ouais, non, mais c'est énorme. Merci les amis, du coup, c'est vachement cool. Je vais pouvoir rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est cool. Et j'ai aussi trouvé ça, tiens, vous l'avez peut-être vu. Ah, donc, c'est un œuf, justement, de, vous savez, mon... l'espèce de Ted. Moi, j'appelais le Ted, tu sais, c'était la grosse bête, là, qui balance des... bah des trucs qui puent, hein. Comment tu veux que je te dis ça autrement, qui explosent, hein, voilà, des boules d'acide, voilà, et en fait, bah voilà, j'ai trouvé un œuf. Du coup, ce que je vais... bah, je crois que c'est ça, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, regarde, le déposer, voilà, comme ceci. On va le scanner. Est-ce que je peux le scanner? Je peux même pas le scanner en fait, hein. C'est marqué non identifié, mais on peut pas le scanner, c'est dommage parce que... en plus, ce qui est énorme, c'est qu'on a un truc pour ça, je crois, hein. C'est pas ça? Ah non, c'est analyseur de... ouais, non, ah non, je voulais pas je voulais pas l'enlever. Voilà, je vais le replacer genre propre. Voilà. Nickel, ok. Mais ouais, c'est... il faudrait que je puisse l'analyser, ça serait cool. Et voilà, donc du coup, on va pouvoir le mettre directement, j'ai envie de dire, dans l'aquarium qu'on va le mettre là-bas. Voilà, parce que l'aquarium là-bas est gigantesque. Autant en profiter. Voilà, il est deux fois plus grand, je crois, que les autres, il me semble. Ah non, il est même, il est à la même taille, c'est juste que là. Ah non, non, voilà, il est deux fois plus grand, c'est ça. C'est là ce que je pensais. Voilà, et on va poser l'œuf au fond. Voilà. Bon, enfin, il va pas tomber en fond. Ah, tant pis, bah écoute, il va rester là, bah c'est pas grave. Le principal, c'est que. Ah, il est là au chaud. Voilà, et vous avez vu, regardez, j'ai beaucoup de petites choses assez sympathiques. Au niveau des cultures, je suis bien content d'avoir fait ça il y a très longtemps, du coup, parce que pour le coup, bah j'aurais pas besoin d'aller dans tous les biomes au niveau de leur caméra, ça va être forcément. Beaucoup plus simple, voilà. Du coup, hop, on va replacer. Qu'est-ce que j'avais déjà en cinquième position? J'avais. Ah, le. Non, pas le scanner, j'ai pas le scanner. J'avais, voilà, l'outil de réparation. Voilà, on va laisser ça comme ça, on va prendre la pilule, ça et tout. Donc voilà, bon, bah écoutez, bah les amis, dans tous les cas, on va s'arrêter là déjà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet immense épisode vous aura plu, mais en tout cas, je suis. Sur le cul, c'est le cas de le dire, hein. Là tu vois, c'est incroyable, franchement, la rencontre qu'on a eue avec l'empereur, c'était juste génial. Je suis étonné qu'il y ait un empereur pacifique, franchement, surtout que la bête doit être là depuis tellement d'années, voire des siècles, enfermée là-dedans, étant donné que les aliens, je crois qu'ils sont arrivés il y a des années. Écoutez, elle est pacifique, bon, peut en même temps, bon, elle a pas vraiment le choix, parce que je crois que je suis son seul ticket de sortie, hein, voilà, donc je sais pas comment on va faire pour sortir.
Mais au moins, voilà, effectivement, que ces enfants soient tranquilles, qu'ils puissent vivre en dehors, effectivement, de la prison. Ça peut être assez énorme, même pour elles. Enfin, ça peut être vraiment génial. Donc, du coup, bah écoutez, on fera ça. Je sais pas du tout comment que ça va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir, faire ça avec le. Comment ça s'appelle? Avec le l'exosquelette, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a un téléporteur pour y aller directement. Et ça va être énorme. Donc, je vais pouvoir, je pense, dès à présent, ramener. Alors, pas tout de suite, là, je le ferai en hors caméra parce que ça va être long. Mais je pourrais ramener le cyclope. Je pense que je vais le ramener. Donc, ça va être quand même très long. De le ramener jusqu'ici hein, parce que bah il faut que je repasse par le Lost Driver tout ça et tout mais voilà je pense qu'on n'a pas de raison de repartir au Lava Castle parce que dans tous les cas on a un accès beaucoup plus rapide et ça se passe bah directement et pas via le TP. Voilà je pense, bah je sais pas, faut que je regarde si jamais, bah tu me diras mais en fait je suis en train de penser il y a plein d'autres TP qu'on n'a pas encore débloqué là dessus donc ça peut être quand même quelque chose de ma foi très sympathique. Voilà je regarde, oh, je suis trop content, j'ai tellement tué. Vous avez vu voilà c'est ça le Disten. Voilà le Disten c'est ce qu'on peut obtenir qui est en général dans la zone de lave qu'on peut obtenir avec la foreuse. Voilà qui nous a permis effectivement, oui les amis, je pouvais crafter la blue tablette. Enfin l'artefact, c'est en anglais c'est l'artefact, voilà. Donc la tablette bleue, voilà, avec deux Disten et un cube ionique. Et là autant vous dire que les cubes ioniques j'en ai vraiment la blinde. Sachant qu'en plus il y en a d'autres qui m'attendent dans les bases. En tout cas merci beaucoup les amis d'avoir suivi. C'était TheJumper, n'hésitez pas à bombarder cette barre de like pour cette rencontre entre nous et l'Empereur. Et surtout le fait qu'on a des nouvelles missions, ça c'est encore plus cool. Et les amis du coup n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne et partager la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de Subnautica. Ciao les amis, c'était TheJumper. Salut les amis. We'll be right back.